On est ici avec Scarface. C'est pour The Godfathers of Argent Sound. Sí, il est ici Rebel Movement. C'est juste dire, toi tu étais au début de la scène skinhead root boy en France. Comment tu as pris l'influence de la Jamaïque, UK ou comment ça a été ça? Nous en France on a une forte histoire avec l'Afrique, mais pas avec les Caraïbes, pas avec cette partie des Caraïbes. Donc le ska est en Europe par l'Angleterre et nous on voyage beaucoup en Angleterre, particulièrement avec le punk. Et comme le ska moderne est arrivé suite au punk, c'est vraiment de là que tout est parti. C'est-à-dire tu as eu des punks, certains sont devenus skinheads. Et le ska est à ce moment-là devenu beaucoup plus populaire. C'est par là qu'on a connu Bar Madness, Selector, Special, des groupes avec des blancs, avec des noirs, avec tout. Justement, toi, tu as une chanson que tu as chantée maintenant, La Catalogna. Quelle connexion tu as, toi, avec la Catalogna? Catalogne, c'est une région d'Europe, une région de l'Espagne. On a dû faire au moins 300 concerts. Au moins. Au grand moment de la Catalogne avec le ska. C'est-à-dire, on a fait des festivals où il y avait jusqu'à 20 000 personnes. La moyenne, on jouait presque toutes les semaines et la moyenne c'était bien 7, 8, 9 000, 10 000. C'était énorme. Et depuis le début des 91 que tu as commencé le ska et ça en France jusqu'à maintenant, comment tu vois l'évolution du ska au niveau du mondial et ça, le ska? Il est un peu plus radicalisé maintenant, pas nécessairement politiquement mais musicalement. Les fossés se sont creusés. Avant il y avait des groupes qui jouaient du ska et on partait de 840 jusqu'à Madness qui était le plus rapide. Après depuis ça va de Mighty Boston à Scarface à Grolides, c'est beaucoup plus, mais il y a beaucoup plus de clivage. Il y a beaucoup moins de gens qui font des crossovers entre tous les styles. Donc il est très très bonne qualité, il est moins populaire, mais moi je le préfère moins populaire. Moi je l'ai connu underground, je l'aime bien underground en général. J'arrête de jouer dans un pays quand ça devient la mode dans ce pays. J'aimais bien la Catalogne quand c'était nombreux, mais avec des gens, avec des jeunes qui avaient envie. Et on a arrêté de venir en Catalogne quand tout le monde s'est mis à faire des concerts de ska parce que ça marchait bien ce qu'on faisait. Faut rester dans l'underground, donc faut soutenir la musique, c'est pas pour l'argent, c'est pour la musique. On n'en vit pas, on n'est pas professionnel, ça fait 22 ans que je suis. Donnerais aux skinheads, aux rude boys du monde qui suivent un peu le ska, même si c'est pas en Jamaïque ni en UK. Non, mais alors ça, l'évolution est pas mal. Au début, ceux qui suivaient un peu le ska se considéraient un peu comme des puristes. Et autant maintenant la musique s'est élargie, autant eux aussi sont devenus plus cool, moins radical sur telle et telle chemise, telle et telle. Ils sont quand même. Maintenant, ils sont quand même beaucoup plus. Ils sont et beaucoup plus actifs et beaucoup plus ouverts aussi. Plus ouverts.
Donc, quel message tu donnerais comme membre de Skinhead français, Starface, pour le monde et pour la Catalogne? Essayer d'aller... ce que nous, on a beaucoup fait, c'est aller contre ses peurs, c'est-à-dire d'aller dans des endroits où on te dit il faut pas y aller, c'est dangereux, ouais. Il y a beaucoup de fascistes. Ouais. D'aller dans des endroits comme l'Ukraine, comme la Russie, comme tu vois, où les gens qui sont là, ils ont vraiment des colonnes d'être là, ouais. Et d'aller les supporter et d'ouvrir les mentalités. Si tu refuses, si tu vas toujours au plus simple, si tu veux gagner de l'argent, si tu vas à côté de chez toi ou si tu vas dans le pays où c'est à la mode, oui, tu vas gagner de l'argent. Mais tous les gens qui sont là, ils pensent déjà comme toi. Ouais. Il est bien aussi d'aller plus loin, là où c'est pas encore comme connu, ça, pour ouvrir, les mots. Pour ouvrir les gens. Et ça, on a toujours fait. On était dans tous les pays de l'Est au début, quand ils se sont ouverts, on a été en Russie, beaucoup. Les changements, on les voit d'année en année, on les voit, et ça fait plaisir. C'est pour ouvrir la main. Next week is called Toujours Lights for All, but Skinhead, ex-Skinhead, punk, or whatever. As long as you are against racism, of course. Of course. Of course. Personnellement, comme Scarface, là, c'est quel le futur prochain de Scarface? Jouer, on n'a pas de... On a des envies. Bien sûr, on a des envies. Ouais. On a des pays qu'on n'a pas encore fait, qu'on aimerait bien faire. Mais à notre niveau, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on n'a pas fait. Ouais. Donc, on a fait une tournée en Chine, on a fait plusieurs tournées au Japon, on a joué en Australie. Ouais. États-Unis, Canada, toute l'Europe, Russie. Un touriste a vie, mais en regardant, en posant des questions, en demandant comment sont les conditions de vie des gens, comment ils vivent, avec quoi ils vivent, bien sûr. Donc maintenant, il y a des artistes, j'aimerais bien jouer. Il y en a un artiste rap en France, MC Solar, j'aimerais beaucoup le jour le rencontrer. Mais c'est des choses comme ça. On n'a rien sur ça à attendre. On ne gagne pas d'argent, on n'est pas professionnel, ouais. Ça ne changera pas. Et on n'a pas envie. Sans ça, ça ne ferait pas 22 ans qu'on jouerait comme ça. On aurait choisi depuis longtemps pour autre chose. Ouais. Ben, merci beaucoup, surtout, pour soutenir le ska, le reggae music et toute la musique noire comme ça en général. C'est celle qui bouge. C'est celle qui est vivante. Radio Argentina, vos God Favor, et surtout le Illicit Rebel Movement. Oui. Yeah. Let's look at the bright side of life. Yeah.